Le roi de la pop ressuscité par le cirque du soleil. Michael Jackson, The Immortal World Tour, c'est le nom du dernier spectacle de la troupe québécoise de cirque de renommée mondiale, déjà en tournée dans plusieurs villes des États-Unis et du Canada. La mise en scène est signée Jamie King, qui est tout sauf un inconnu dans le milieu du spectacle, puisqu'il a notamment dirigé les tournées de Madonna, Céline Dion, Rihanna ou encore Britney Spears. C'est avant tout un spectacle hybride dans lequel on retrouve le meilleur de tout ce qui peut se faire sur Michael, un concentré de ses meilleures prestations sur scène mélangé au monde du cirque, avec son lot de performances et de belles images qui nous agressent vraiment visuellement. On ne trouve pas mieux, donc voilà, c'est vraiment la combinaison de ces deux mondes. Les fans du regretté roi de la pop devraient a priori en avoir pour leur compte. Michael Jackson, The Immortal est un mélange de projections, de danse et de chansons inédites. Tout cela décliné à travers l'univers du cirque. Une production titanesque, une soixantaine d'artistes sur scène et plus de 45 millions d'euros de budget. Collectivement, on voulait s'assurer d'incorporer un maximum d'éléments autour de Michael. Cela veut dire aussi associer un grand nombre d'artistes qui ont travaillé avec lui dans le passé. En prenant en compte le film This Is It et la tournée qui n'a jamais eu lieu, nous avons collecté des passages clés, des moments emblématiques du film que vous avez pu voir et nous les avons incorporés au spectacle. En faisant appel aussi à des artistes qui ont travaillé avec lui, des danseurs qui se sont illustrés sur scène à ses côtés, mais aussi les costumiers, les coiffeurs. Michael Jackson, The Immortal, du Cirque du Soleil, arpente en ce moment de nombreuses villes d'Amérique du Nord avant une tournée sur le vieux continent prévue l'année prochaine.